vous regardez RTL. Vous connaissez les bijoux Baume, Chantal ? Je ne connais pas Baume, mais je connais Swarovski. Ah oui ? Qui est du cristal, en Exactement. Fait. Exactement. Voilà. Mais vous avez de beaux bijoux, vous-même. Oh oui, bah, je ne sais pas, tiens, aujourd'hui, non ? J'ai quelques beaux bijoux, oui. Bah, là, au poignet, c'est quoi ? C'est de l'argent, ça, j'ai acheté au Maroc, et c'est une semaine, il y en a 7. Montre ton stérilet, 24 carats. Aussi, ouais. Oh. Non, le stérilet, c'est 70 carats. C'est vrai que j'en ai encore un, oui. Perdu dans une galerie. L'autre optimiste. Elle a peur. Je crois qu'elle confond avec du régilet qu'elle boit tous les matins. Elle confond avec l'antenne de télé. C'est vrai que je sonne. Comment ça? À l'aéroport. Ah oui. Quand vous avez un stérilet, vous sonnez. Ah oui. Ah oui. Ah bon, bon c'est pas très... Vous n'avez pas de stérilet, Chantal, quand même. Vous savez, il faut faire attention à l'heure actuelle. Hein. Mais enfin, à votre âge. Non, mais tu sais à quoi ça sert, à la base. N'essayez pas de nous faire croire que vous pouvez encore reproduire l'espèce là-dessous. Mais bien sûr que oui. Non, mais les garçons de 17 ans ont le spermatozoïde attaquant, hein, quand même. Hein. Oh. On ne sait jamais, bien sûr que oui. Là, je sais que je vais aller à la clinique tout à l'heure. Non, mais là, c'est le fruit qui est mort, là, c'est pas pareil. La fois dernière, quand mon petit-fils est né, on m'a pris pour la jeune maman. Ah oui. Il y a un papa qui était dans le couloir qui a dit oh, il est beau. Votre enfant, j'ai dit c'est le vôtre, j'ai dit oui c'est le mien et il l'a cru. C'est le petit vieux qui avait la cataracte. Allez. Mais personne ne croit que je suis une grand-mère. Vous êtes une bonne grand-mère. Mais bien sûr que oui, une grand-mère gâteau. Mon mari, on sait que c'est un grand-père, ça se voit, mais moi pas. Et alors, vous sortez les enfants au parc. Vous oui, bien sûr. Il l'appelle mamie Botox. Alors là, t'es méchant, vraiment. Oui, c'est pas gentil. Ça. Et, non, mais je suis une grand-mère, j'adore être grand-mère. Ah oui, oui. Ah, j'aime bien être grand-mère. Bah, il vaut mieux, hein. Et il m'appelle Mam. 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 Ouais. Ah, c'est joli, ça. Mais l'autre jour, et je ne sais plus si j'avais raconté ici, il était dans une garderie de mariage, dans un château. Ouais. Et il y avait une grosse tête de cerf empaillée, il a fait « Mamie !» Il savait que t'étais cocu. Moi, il m'appelle Pépère. Ah, vous aussi, vous êtes grand-père. Oui, Pépère et ma mère. C'est mignon. C'est joli. Hein. Ça aurait pu être gros Pépère. Et vous, monsieur Manoff, vous êtes... Ah non, pas du tout. Ah moi, non. J'ai 27 ans, éternellement, et je ne suis pas grand-père. Ah oui, tous les rockers ont 27 ans. C'est l'âge à laquelle... C'est le club des 27. Claque. C'est l'âge auquel ils s'arrêtent. Et sinon, il y a quelques 72, mais c'est à l'envers, c'est le verlan. Voilà. Évidemment. Et vous, Stevie, alors ? Non, toujours pas grand-mère. Mais quand même, tata.